Eh oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Berthieu de la locale télévision. On est en direct avec les sirènes Mamiwata. Et Bella. Justine et Bella, bien sûr. On les présente plus parce qu'elles sont tellement connues à Paris. D'ailleurs, vous savez pourquoi? Parce que c'est les seules femmes qui organisent les soirées reggae. Je vais arrêter de parler. Les sirènes, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi? C'est quoi l'actualité du jour? Bonjour, amis de la locale. Donc là, nous allons vous parler de ce qui va se passer le mercredi 7 janvier. Donc le mercredi 7 janvier, nous allons faire un concert sur le bateau qui s'appelle le Power 2. N'est-ce pas, Bella? Oui, bien sûr, le Power 2, donc avec des artistes, des grands artistes comme Rasnaya. Rasnaya sera là? Il sera là. C'est pas possible. Bien sûr, il y aura les Jericho. Non, Jericho et les Éburnéens, c'est le groupe qui s'appelle comme ça. Et n'oublions pas Ganja Tree, le big Ganja Tree. Le Rasta Ganja Tree. Et moi, je l'ai revu encore dernièrement. Il n'a pas vieilli, on dirait qu'il a 20 ans. Il a attrapé le micro, aussi bien les jeunes que les vieux. On était au moins 200 dans la salle. C'était blindé, blindé. D'ailleurs, on vous attend. Hein. On vous attend. Et si vous ne venez pas, tant pis pour vous, parce qu'il y a déjà du monde. Alors, on parle de quoi là? Ben alors donc voilà. Il y a plusieurs soirées. Hein. Il y a plusieurs soirées qui vont se faire sur ce fameux bateau. Mmh. Donc le Baron 2. Il ne faut pas oublier donc le 5 février 2009 ainsi que le 26 mars. Et le 26 mars, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura que des filles. Quoi? Attends. Une soirée où il n'y aura que des filles. Reggae. Reggae? Oui. Des dread? Des DJ. Que des DJ? Non, pitié. DJ. Mais pourquoi? Disons que c'est pour la journée de la femme. Donc, la journée de la femme va se passer en reggae. Que des femmes. Que des femmes. Mais c'est la première fois que ça se passe en France. Mais c'est quoi cette histoire? Mais attendez, il faut lancer un appel à tous les amis là, jamaïcains. Là. La journée de la femme, ici, là, il faut venir au Power 2, quai de la gare, n'oubliez pas. Métro, ligne 6, c'est ça? Oui, c'est ça. Ligne 6, quai de la gare. Ouh là là. C'est pas très loin de Bercy. Hein. Et vous avez d'autres soirées là? Parce que là, vous avez d'autres soirées. Oui, on a... Le 28 février. Le 28 février, donc on a Président Brown. Le 28 février, là? Oui. 2009. Et Prince Malakai. Et en première partie, on aura Naturel Mighty et la locale. Oulala! Et Jean-Jacques va nous chanter quelque chose. Et ça, c'est ça. Alors, exclusif. Alors. Et ça sera au New Morning. Voilà. Moi, j'en peux plus, hein, franchement. Les Mamiwata, il faut faire quelque chose. Hein. Allez sur leur site, d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas leur site, amis téléspectateurs, venez voir un peu là. Si vous ne connaissez pas leur site, vous allez directement, c'est sur MySpace. Directement, vous allez tomber sur cette belle affiche d'une sirène avec une belle couleur. Enfin, bon, vous voyez, non? Tapez juste Sista Bella et vous êtes dessus. On tape quoi? Sista Bella et vous êtes dessus. Directement Sista Bella et vous êtes dessus. Vous allez voir, il y a plein de vidéos sympas. Amis, regarde un peu ce que je vois là. Il y a plein de vidéos sympas, tu vois. Regarde, vite fait, tu vois. Il y a une vidéo de Bob Marley, il y a Alice Selassie. Alice Selassie avec Kennedy, Twinkle Brothers, et puis des images des femmes aussi, des reggae. Et là, on a les soirées du Bower, on a tout ce qu'il faut, quoi. Bordeaux, et puis des amis. Et allez faire un tour, hein. Franchement, c'est un site super intéressant. Et vous savez quoi? La prochaine soirée, venez. Laissez vos avis toujours sur lalocale.com et toujours sur le site des sirènes. Et franchement, vous savez quoi? Bonne soirée déjà. Jean-Jacques, il faut que tu n'oublies pas une chose, il faut que vraiment préciser. Normalement, les Mamiwata, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'un jeudi par mois, je le répète encore une fois, un jeudi par mois, donc on fait des concerts live avec Sound System. Mais exceptionnellement, mercredi 7 janvier. Pourquoi? Parce que c'est le jour du Noël éthiopien. Donc on respecte ce jour-là. Donc ça sera mercredi 7 janvier pour le Noël éthiopien. Donc il faut venir voir un peu comment ça se passe. Donc mercredi 7 janvier, venez au Bower 2. Ça commence à partir de 19h.
pouvez arriver jusque vers 19h30, il n'y a aucun problème, jusqu'à 0h. Il y a une chose aussi intéressante, n'est-ce pas, Bella? C'est qu'à la fin, si vous avez des dons dans le chant, vous pourrez chanter avec Ganjatri. Oui, vous pouvez prendre le micro. Oui, c'est vrai que les Mami Wata nous ont rappelé ça, c'est que c'est passé quelque chose de formidable. Et ceux qui se sont déplacés, il y a plein de gens sur Facebook, on va dire plein, à partir de 20 déjà ça fait beaucoup, sur Facebook, qui sont venus, qui ont vu des sons système en live, c'est-à-dire des gens qui ne devaient pas chanter du tout, qui étaient bien. Ont rattrapé le micro, ils ont chanté. Ouais. Voilà, c'est ce que le Boer 2 vous propose. Ouvert. Micro ouvert. Voilà. C'est open mic, ça veut dire. Alors, ami toaster, toi qui es sur ton fauteuil, là, en train de chanter, je sais pas quoi, te faire chier. Et ami toaster aussi. Faut pas se faire engueuler par les sirènes, hein. Ami toaster et ami toasteuse. Et ami toastérieur aussi, hein. Et toastérieuse. Venez toaster, venez chanter, venez vous faire plaisir au Boer 2. Et Aïtal. Oui, Aïta Food. Aïta Food. Bien sûr. Il n'y a même pas besoin de préciser. Aïta Stand. Il y a un autre ami du stand qui Congo s'appelle Man. Congoman, qu'on le check. Qui fait petit partie Congo. Aussi un peu de Mami Wata. Enfin, pas un peu. Il fait partie de Mami C'est Mami Wata même. C'est Mami Wata Congo. Congoman, il est toujours là. Dans tout, il est là, Congoman. Donc, un big up à Congoman. Et ainsi que Ras Job, parce que Ras Job, moi, il m'aide. Il est là, il est avec nous, il est à la locale. Un big up à tous ces gens-là. Donc on y va parce qu'on est harcelé, hein. Vous voyez, hein, on est harcelé. Il y a trop de gens qui veulent venir à cette soirée et on est harcelé. Alors, il y a encore quelque chose? Oui, enfin, disons qu'on voulait juste donner une petite précision sur le Noël éthiopien. Juste un petit résumé que nous avons fait. Donc, pour pouvoir expliquer un petit peu, si dans les contrées occidentales, le Noël se fête le 25 décembre en Éthiopie, en Éthiopie, les festivités de la nativité traditionnelle appelée Géna se déroulent le 6 ou le 7 janvier selon les années. Et donc, ça conserve la véritable date de naissance du Christ. Et si vous voulez avoir quelques références, vous pouvez aller voir le calendrier julien utilisé en Éthiopie. Voilà. Donc, les Éthiopiens les plus pieux jeûnent avant Géna pour une durée de 40 jours. Certains partent en pèlerinage en famille, dans la région sainte de la Libella, ça s'appelle la Libella, cette région-là, lieu où le Christ serait apparu au XIIIe siècle. Voilà. Voilà. Donc, et faut pas qu'on oublie non plus mon fils, qui nous fait c'est lui qui fait les flyers. David, Mr. David. David, c'est mon fils. Mr. David, donc, attendez, on ne peut pas oublier quelqu'un qui a fabriqué, c'est pas possible. C'est impossible. Mr. David qui a créé ça, et croyez-moi, il s'améliore de jour en jour. Hein. D'ailleurs, s'il n'y aurait pas David, comment vous allez être mis au courant de la soirée? Ou bien, voilà. Alors, comme on dit d'habitude, Jah Rastafari. À très bientôt.